Alors avec nous ce soir, donc, nous avons trois jeunes comédiens au profil et au parcours assez différents, mais qui ont une passion commune évidemment, celle de mener chaque soir sur une scène de théâtre une double vie en se réinventant. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Alexis Rive, bonsoir. Lionel Ingelzer, bonsoir. Et Alexis Moncorget, bonsoir. Alexis Moncorget, on va parler un petit peu des prémices qui vous ont donné envie de faire du théâtre. Alors j'imagine que vous avez dû en partie être influencé par la présence de votre grand-père Jean Gabin. Disons que cette ombre est peut-être à double tranchant, parce que quelque part peut-être qu'on vous attend un petit peu plus au tournant. Hormis ça, qu'est-ce qui vous a donné envie de monter sur un plateau de théâtre ? Moi, je viens d'un milieu, en fait, mes parents sont éleveurs de chevaux, hein, donc j'ai grandi en Normandie. Oui, l'ancêtre, mon aïeul, on en parlait, je savais qui c'était, à travers ses films, à l'époque c'était des VHS, hein. Mais depuis tout petit, j'ai voulu faire ce métier. Donc, j'avais pas de cours de théâtre, j'étais à la communale, on avait la même maîtresse du CP jusqu'au CM2. Donc il n'y avait pas de cours de théâtre, il y avait un truc de fin d'année à l'école. Mais déjà, j'étais là, je faisais des spectacles, il y avait une envie de faire des choses. Et puis, je sais pas, c'est comme... j'ai eu un prof qui s'appelait Cochet qui nous disait « Quand vous rentrez dans ce métier-là, vous rentrez en religion. Parce que toute votre vie, tout sera vraiment fait pour ce métier-là. Tout est taxé, en tout cas, on devient une sorte de moine, quoi. En tout cas, il y a un appel. Moi, voilà, il y a l'appel. Et bah, comme une femme va rentrer au Carmel ou un mec va rentrer chez les trapistes, il est appelé par Dieu, je sais pas, moi je me sentis toujours appelé par la scène. Je voulais faire du cinéma et j'étais appelé par le théâtre et du coup, voilà. Mais en tout cas, quand j'étais gamin, une fois que t'as passé l'étape d'être pompier, être Indiana Jones et voilà, je voulais faire ce métier-là, en fait, je voulais jouer, tout simplement, je voulais jouer, parce qu'au bout du compte, notre métier c'est ça, c'est partager et c'est jouer. Alexis, vous aussi, vous avez grandi dans un univers très proche du théâtre avec votre père, donc, qui est à la fois metteur en scène, comédien, auteur de théâtre et qui dirige le théâtre du Rond-Point. Est-ce que c'est ça qui vous a initié au théâtre, de baigner dedans dès votre enfance ? Bah oui, probablement, parce que j'ai beaucoup été au théâtre quand j'étais petite, j'ai beaucoup assisté à des répétitions quand j'étais enfant de ces pièces. Et c'est super d'être une enfant de la balle, même si c'est parfois compliqué d'assumer ça, et j'ai toujours l'impression que je dois me justifier de faire ce métier, et plus je grandis, mieux ça va, mais c'est quand même... Je sais que les gens ont une image, et l'auront toujours, et peut-être qu'à toi aussi, tu as un peu ça. C'est pas évident, et même quand j'en parle, c'est un truc qui est difficile pour moi, mais en tout cas, il y a beaucoup d'avantages à ça. C'est que je connais les loges des théâtres de Paris, que j'ai 4 ans et de tous les théâtres, et que je connais plein d'acteurs, et que j'ai vu tous les métiers, tous les corps de métiers du théâtre depuis toujours se faire sous mes yeux, de la régie au costume et tout, et c'est formidable. Et forcément, ça m'a donné envie. Parce que j'ai commencé, quand j'étais petite, on a une maison de campagne à 5-6 ans, dans le spectacle, mais comme beaucoup de gamins qui sont pas devenus acteurs, hein, mais en tout cas, voilà. Lionel Ingelzer, vous vouliez être pilote de ligne. Ah, ouais. Du coup, vous avez trouvé cette adrénaline sur un plateau de théâtre. Oui, c'est vrai. J'étais parti pour faire des études. J'étais avec une filière S et tout ça. J'étais en Alsace, moi j'ai grandi à Mulhouse. Et en fait, j'ai eu une chose assez bête, c'est que ma vue a baissé d'un coup. Et je me suis dit, il faut que je me réoriente très vite, il faut que je trouve quelque chose à faire. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai toujours fait dans ma vie ? J'ai toujours été inscrit au théâtre. Mais par rapport à vous, voilà, j'ai pas effectivement grandi dans une famille d'artistes où il y avait vraiment personne dans ma famille qui touchait en tout cas l'artistique d'une manière aussi bien théâtral que musical ou que voilà autre chose. Je savais pas qu'en fait c'était un métier. Et j'ai eu un déclic un jour, voilà, en terminale, vraiment, je pouvais plus faire pilote de ligne, tout ça. Et puis on m'a parlé de quelqu'un qui avait réussi, qui était alsacien et qui avait fait un film, et qui sortait dans le cinéma de Mulhouse. Et je fais, c'est pas possible, enfin, incroyable. J'ai eu 18 ans, je suis parti à Paris et cours Florent, parce que je savais pas trop où aller. Oui, parce que vous avez fait les cours Florent et le conservatoire. Après, je suis rentré au conservatoire national et tout, mais voilà, ça a été aussi une preuve aussi pour moi de me dire, ah non, quelque chose à faire dans ce métier. Et c'est vrai que quand je vous écoute parler, là où moi je dis il faut vraiment que je bosse, ça a été un travail avant tout, parce que souvent on parle de talent, de choses, voilà, qu'on dit oui, t'es fait pour ça ou pas, il y a évidemment d'abord du travail. C'est un travail énorme. J'ai l'impression que ça fait 15 ans que je bosse à fond la caisse pour faire partie de ce métier. Mais voilà, je ne regrette pas aujourd'hui, parce que ça a été... Après, j'ai fait 4 ans de cours Florent, la classe libre, j'ai rencontré Alexis à l'époque avec Jean-Michel, là où j'ai commencé à mes premiers spectacles. Et puis après, voilà, 3 ans de conservatoire encore, donc c'était long, mais tout ça, c'est un passage obligé. Et cette formation, donc, elle a été déterminante pour vos projets ? Bien sûr, conservatoire, ça m'a lancé aussi sur la création de ma compagnie, tout simplement.
Il y a eu des cours au conservatoire que j'ai fait, notamment Le Masque et Mario Gonzalez. Il y a eu Christophe Patti et des gens, des pédagogues vraiment géniaux qui ont été là et qui m'ont ouvert un horizon que je ne soupçonnais pas. J'ai fait beaucoup de sport, j'étais en sport-études. Et là, je me suis dit, oui, il y a quelque chose là dans leur tête physique. Je pense que si j'avais eu le recul, si j'avais connu les gens, que je serais allé peut-être chez Jacques Lecoq ou j'aurais fait une école comme ça. Aujourd'hui, voilà, du coup, j'ai créé une compagnie et maintenant, je travaille cet art physique. Bon. Alex Cyril, vous aussi, vous avez fait les cours Florent en théâtre et en chant, le Sudène Théâtre et l'Atelier de l'Ouest, mais aussi une formation en danse classique. C'est important pour vous d'avoir une formation ainsi justement pluridisciplinaire. Moi, j'aurais adoré être danseuse étoile. C'était mon rêve, ou d'être chanteuse d'opéra. C'était mes deux trucs avant d'être comédienne, je crois. Et j'ai fait beaucoup de danse, comme toutes les petites filles, et puis après que j'ai continué plus tard chez Stan Lovin et tout, mais j'ai pas une formation de danseuse. Voilà. Mais j'ai suffisamment de base pour participer à des spectacles de danse. Et j'ai la chance, parce que je pense qu'après c'est un travail et tout se transforme, mais je chante juste, donc après j'ai travaillé ça et je continue à travailler. Et j'ai des projets là, de spectacles musicaux. Mais c'est drôle, là, plus on vieillit, on se dit, je connaissais pas le machin, et puis moi je me dis, merde, il y a plein de choses aussi que j'ai loupé en fait, parce que c'est, il y a une espèce de facilité aussi en fait, quand on est baigné comme ça, on cherche peut-être moins, on se donne un petit peu moins. Moi je regrette ça, et c'est vrai que j'aurais aimé peut-être être plus rigoureuse, faire des écoles de comédie musicale, des choses comme ça. Et maintenant j'ai 30 ans et bon, c'est un peu, ça va, je suis jeune, mais c'est déjà un peu trop tard quoi pour et je pense que j'aurais eu le niveau, enfin je pense que si j'avais plus travaillé plus jeune, j'aurais pu faire ça. Alexis Moncorget, vous avez fait les cours Cochet, donc vous en parliez tout à l'heure. Petite expérience, également à l'école d'Hélène Zizi. Et ouais, en fait, cette école, donc cet enseignement avec Hélène Zizi, ça vous a mené à la création de La Mouette de Tchekhov, avec ouais, le personnage de Constantin au OFF 2012. Ouais. Vous avez été jeté directement dans le bain après. Comme vous, les gars, en fait, je suis arrivé de ma province, hein, je connaissais rien non plus. Hein. Donc ma tante m'avait dit, j'avais dit je vais faire du théâtre, elle m'a dit bah va chez Cochet, donc j'y suis allé, ça m'a pas plu. Mais j'ai rencontré là-bas une metteur en scène qui m'a fait confiance et on a monté un premier projet. J'ai pu jouer à Paris, Festival d'Avignon et faire une petite tournée. Mais alors, vraiment dans des trucs, en France, des salles, tu te demandes, c'est bien des gymnases, des trucs, t'apprends le métier quoi. Je me suis pris à tracter en plein hiver dans des villes de banlieue même pas la banlieue, à 50 km de Paris, sous la neige, tu te demandes, tu te dis, qu'est-ce que je fous là ? Et en même temps, t'apprends, quoi. C'était vraiment... Et quand j'ai découvert le Festival d'Avignon pour la première fois en 2010, avec ce spectacle-là, et ben voilà, je me suis dit, putain, c'est fou, c'est tout ça le théâtre. Ça peut être plein de choses. Et j'ai dit, putain, mais et d'un coup, il y a eu un élan, je me suis dit, en fait, t'as envie de faire plein de choses, t'as envie d'écrire, t'as envie de monter des compagnies avec tes potes, faire plein de trucs, et je me suis dit, putain, c'est ça en fait. Et c'est comme si je le savais pas non plus, je l'avais découvert trop tard, je l'ai découvert au bout de 2 ans à Paris, tu vois. Et je me suis dit, ah, incroyable. Et à la base, je voulais faire du cinéma, donc après j'ai fait LNZD, qui est une formation plutôt Stanislavski, acteur studio, parce que Tahar Rahim venait de faire Le Prophète, et du coup je suis rentré chez elle juste après. Et elle m'a mis en scène dans La Mouette de Tchekhov. Et là, on était une troupe, on était 8 comédiens, et Avignon, il y a eu un amour. Avignon, ça a été mon première rencontre avec ce qu'était le métier, quoi. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce festival, évidemment, hein, ce que c'est devenu et tout, mais ça reste une émulsion, c'est de la création, c'est fort. En dehors de Tchekhov, vous aimez bien les auteurs disparus, Zola, Musset, Maupassant. Oui. Mais je crois que vous avez de nouvelles envies, notamment un texte de Xavier Lemaire bientôt. Ma soeur, l'autre jour, elle me dit, ce serait bien que tu fasses une comédie à C4 parce que j'en ai marre. À chaque fois, tu finis soit avec la corde au cou, soit avec un fusil dans la bouche. Et le prochain, oui, c'est une écriture contemporaine, Xavier Lemaire, pour l'année prochaine. Voilà. C'est une grande saga familiale à travers la guerre d'Algérie. Lionel Ingelser, Pauline Riva, Stéphane Joberti, Marion Muret, qu'est-ce qui vous attire chez ces auteurs ? Alors ça a été d'abord des rencontres avec des metteurs en scène à la base, donc qui m'ont fait rencontrer ces auteurs-là. Bon là, c'est aussi du jeune public. Voilà. Après ça c'est la magie aussi de notre métier. On ne sait pas toujours vers quoi on va aller. C'est pas nous toujours qui décidons là où on va, mais c'est des rencontres quoi. Là c'était important d'aborder des questions avec voilà Olivier Letellier par exemple, Marion Muraille, les questions de l'enfance, l'adolescence de ce Hautboy que j'ai joué, c'était un solo voilà, qui a été moliérisé aussi, donc ça tournait vraiment partout. Mais il y avait des matériaux très très importants qui créent un partage, qui créent de l'amour, qui créent aussi des grandes discussions, notamment c'était sur la maladie, sur l'homosexualité, sur
tous ces sujets pour des enfants à partir de 8 ans. Donc ça a vraiment... Là, j'ai trouvé du sens à mon métier aussi. Je me dis, oui, là on touche les gens, on touche le cœur des gens, je comprends. C'est vrai que tu fais un match de foot et il y a 80 000 personnes. Et là, nous, on a des petites salles de 150, 200, 300. Et voilà, petit à petit, on va essayer d'aller arriver. Là, on n'arrivera jamais à ces 80 000. Mais bon, si, ça arrive, mais c'est rare. Mais on comprend que c'est... que notre raison d'être comédien se joue à ces moments-là particuliers. À la différence du cinéma, on ne jauge pas tout de suite l'impact que ça peut avoir. Après, on voit les millions d'entrées. Mais là, le soir, c'est vrai que sur scène, il y a quelque chose de magique, où il y a des discussions, il y a des parts de communication avec les gens. Tu dis, bon, on va commencer à parler de sexualité, on va commencer à parler des hommes, des femmes, on va commencer à parler de tous ces tabous. Le théâtre, c'est ça. Alexis Rib, j'ai l'impression que vous vous intéressez à des auteurs contemporains qui parlent pas mal de notre société. Je pense à Muriel Magellan, Mike Lee, Caroline Lacroix. Muriel Magellan, donc c'était pour le Paris des femmes. Ouais. D'abord, c'est vrai, parce que j'adore le théâtre contemporain et les auteurs contemporains, voilà. Mais c'est aussi, comme dit Lionel, quand on commence, moi j'ai 30 ans, c'est aussi les auteurs et les metteurs en scène qui viennent vers nous. On ne choisit pas toujours. Après, j'ai eu la chance d'être... dans des projets qui à chaque fois m'intéressaient. Moi, je crois que j'aime beaucoup de choses en fait. Mmh. C'est vrai. Tout d'un coup, on rencontre quelqu'un et puis au départ, et puis les choses se font, les rencontres. Moi, j'ai joué des pièces. À un moment, je savais pas tout ce que je faisais là. Et puis il y a une scène qui fait sens et qui me donne envie de la défendre. Et voilà. Mais j'ai pas choisi mon projet, je suis pas très célèbre, voilà, mais en tout cas j'ai fait des choses aujourd'hui que j'aime et que je défends. En tout cas, on peut dire que vous pétillez de manière générale dans tous les rôles que vous interprétez, souvent des rôles très féminins, avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de justesse, mais aussi parfois un côté un petit peu burlesque et comique. Donc je pense à Sally Grant, qui est plutôt cérébrale dans The Servant, Angela, une belle plante ingénue assez sensuelle, Abigail's Party, et puis aussi par exemple El Tigre, qui est une comédie musicale avec un personnage plus déjanté. Vous le disiez, vous aimez passer d'un registre à un autre. Ah ouais. Ça vous plaît? J'ai adoré faire El Tigre avec Alfredo Arias. C'était une pièce qui a pas rencontré un succès énorme. Enfin, c'était complètement surréaliste, complètement dingue. Je jouais la fille d'Ariel Dombal, une nana mais formidable, mais vraiment que j'ai adoré travailler avec elle. C'était un projet complètement délirant. Je jouais sa fille, elle jouait Lana Turner. C'était vraiment fou. Et Alfredo, c'était assez compliqué de travailler avec lui. C'est pas évident de travailler avec Alfredo Arias. Moi, il a vraiment été dur avec moi. Il a vraiment, ça a été difficile pour moi. Mais c'est le premier qui m'a tout d'un coup qui est un peu les gens m'ont vu différente parce que je jouais un personnage complètement dingue, je crachais tous les soirs sur scène, c'était complètement surréaliste, j'ai adoré faire ça. C'est vrai que j'aime bien aller vers l'absurde, j'aime bien aller vers la folie, je trouve ça intéressant quand tout d'un coup on casse l'image, notre image quoi, ou ce que les gens peuvent croire de ce qu'on est, et j'aime bien. Alexis, vous plongez souvent au cœur des ténèbres, vous aimez bien vous mettre à nu. Dans Amok, donc c'est votre dernière création de Stefan Zweig, vous êtes dans un investissement total, presque dans un état de transe, comme ces fumeurs en Malaisie, ce sentiment justement qui s'appelle Amok. Un petit peu pareil dans La Mouette, parce qu'il s'agit d'un personnage qui incarne à la fois la perte artistique, mais aussi il y a cette idée qu'il est un petit peu passé à côté de sa vie par amour. À la fin, ouais. C'est important pour vous, cette notion d'investissement total? Ouais, La Mouette, c'était très important. Très plef, ça a été un rôle, c'était un cadeau, quoi. C'est important dans le travail d'être avec des gens. La confiance entre un acteur, on est des choses très fragiles, hein. C'est con à dire, mais de pouvoir... Se libérer, travailler avec un metteur en scène avec laquelle tu puisses avoir confiance, qui te donne la main et qui puisse t'emmener vers des horizons dans lesquels que tu pensais pas pouvoir découvrir. Et quand il y a un auteur comme Tchekhov ou comme Zweig, ce sont des textes tellement denses dans lesquels on peut vraiment se balader, c'est encore mieux, évidemment. Mais l'importance du metteur en scène, c'est aussi ça, quelqu'un avec lequel tu puisses vraiment tendre la main et et se dégager. Et moi, j'ai travaillé qu'avec des femmes pour l'instant, et je ne sais pas si c'est anodin ou pas, si c'est une coïncidence ou pas,
mais j'ai un très bon rapport avec les metteurs en scène avec lesquels j'ai travaillé. J'ai besoin, du coup, de vraiment de me sentir en confiance et de pouvoir défricher toujours, encore. J'aime les prises de risque. Voilà, j'ai toujours besoin d'avoir une carotte, quoi, pour y aller, quoi. L'engagement, oui, j'aime ça. Lionel Miguelzer, vous vous fondez tellement, avec tellement d'intensité en fait dans vos personnages que c'en est bluffant, mais c'en est même troublant. Je repense donc au chien, la nuit et le couteau de Meyenburg. Vous multipliez les personnages et vous embarquez vraiment dans un univers cauchemardesque, ou encore dans Price, donc la dernière pièce dans laquelle vous avez joué, un personnage un peu plus sanguin et très dynamique, qui est relativement hanté par le désir de vivre et de partir, de s'émanciper de son quotidien. On parlera donc de votre travail autour du masque un petit peu plus tard, mais j'ai l'impression que vous travaillez beaucoup dans une métamorphose autour du corps. Mmh. Est-ce que c'est par le corps que vous passez justement pour rentrer dans un état complètement différent? Ouais, je pense que la source, le corps, est très important, vraiment. C'était là où mes muscles, ils ont retrouvé aussi l'appétit qu'ils avaient au sport-études, je crois. Oui. Que j'avais besoin de retrouver. Bien sûr, le texte, c'est juste ce qui vient après ressortir, quoi. Je surfe un peu là-dessus. Mais le corps, c'était évident. Et puis après, physiquement, on parlait de métamorphose, et c'est juste... je me souviens, le premier jour où je suis arrivé à Paris, mon premier cours Florent, on était 40 dans la salle, tout le monde dit « avec ce mec, finalement, qui... Bon. » Et qui nous dit en face, de toute façon, bienvenue, mais le métier n'a pas besoin de vous, voilà, il y a déjà trop de monde, et surtout les petits mignons, là, et tout ça. J'étais là, j'avais 18 ans, je me sentais vraiment le petit mignon, dont il y avait 15 millions de petits mignons comme moi, je me suis dit, mais comment je vais faire? Et après, tout le monde a gueulé en sortant du groupe, ouais, comment ils peuvent nous dire ça? Enfin, c'est pas possible, et tout arrive, tu payes 300 balles, en plus. Et intérieurement, je me suis dit, non, en fait... le métier, il a vraiment besoin de moi. Mmh. Mais je me suis dit, pas prétentieusement, mais je me suis dit, non, ça a été un vrai moteur encore aujourd'hui de me dire qu'on a chacun notre singularité et comment moi je vais arriver à trouver tout ça. Je sais que le corps et la métamorphose, justement, pour quitter ce petit mignon, ça a été un vrai. Ça a été vraiment, en fait, un moteur, une vraie force. Donc la transformation, évidemment, physique, moi j'adore me transformer, j'adore changer ma voix, j'adore. Alors maintenant, j'essaie d'épurer aussi ce travail-là, de le beaucoup plus le déposer en moi, parce qu'après, c'était des personnages, tout ça, et qu'aujourd'hui, c'est pas les personnages, ça part. C'est souvent peut-être un peu ringard, donc j'essaye aussi de voir que ça peut se déposer, et puis de me rapprocher de moi. Price, il y a eu le chien, la nuit et le couteau, ça, c'est vrai que je fais, il y a 10 personnages, parce que c'est joué par 3 acteurs, donc on a des masques et tout ça, donc ça c'est déjà un travail assez performatif, et moi j'adore ça, et on est caché. Et là c'est vrai que ça me fait presque peur, souvent quand j'enlève le masque de nouveau, parce que j'ai travaillé pendant des années avec ma compagnie sur ça, et d'un coup de revenir aussi à moi-même, de me faire confiance, me dire que non, même sans l'artifice, voilà, ou même au cinéma, quoi, j'ai un peu tourné aussi des petites choses, et du coup, de dire non, je peux me faire confiance aussi, j'ai pas besoin de mettre des couches, et... mais ça se dépose, c'est vrai que ça se dépose, mais la métamorphose, elle est hyper importante, c'est ça qui me fait bander aussi, franchement, c'est ça qui me donne envie de continuer à me dépasser, à dépasser aussi le corps qu'on a, ce qu'on projette, ce qu'on donne à voir. C'est souvent, c'est difficile aussi. Souvent le cinéma, c'est ça, tu ressembles à ça et on te met dans ça. Et toi, tu te trouves tellement plus infini, tellement plus fou, tellement plus... Voilà, mais c'est un autre monde, le cinéma. Donc au théâtre, on a cette liberté, cette folie. Voilà, on peut aller loin. Là. Je fais un chien, à un moment donné, dans Le chien, la nuit, le couteau, justement. Enfin, je suis nu comme ça et c'est... Pff, mais quel bonheur de pouvoir aussi dire, bah oui, je peux faire ça. Il y a un truc qui est formidable au théâtre, c'est que justement on peut faire appel à cet imaginaire, à l'imagination, et le rapport est direct avec le public, ce qui fait qu'on on est ensemble, il y a quelque chose qui se crée ensemble à un moment T. Et l'imaginaire est beaucoup plus fort, évidemment, parce qu'on le suscite, on est là pour ça. Et cette espèce de plateau, là, cette espèce de truc incroyable, où d'ailleurs, quand nous, ça va être pareil pour vous, mais quand t'es avant, tu te prends la tête et tout, juste avant, t'as le trac, t'es chamboulé, et à partir du moment où tu mets le pied, sur le plateau, tu rentres en scène, pouf, tout disparaît, et t'es dans l'instant. Et l'imagination, c'est extraordinaire. Tu dis, on peut faire un chien, mais oui, parce qu'au théâtre, à partir du moment où la chose est... T'as 17 ans, on dit que toi, là, t'as 17 ans, ou que là, toi, t'es un chien, bah oui, bah voilà, allez, ça y est. On parlait de la danse tout à l'heure. Vous avez aussi un rapport important à votre corps, parce qu'il y a toujours un positionnement, une attitude chez vous, qu'on remarque. Est-ce que justement, enfin, passer par le corps pour vous, c'est aussi un autre langage, évidemment, le langage un petit peu plus de la pensée qu'on exprime sans passer par les mots? Bah, notamment là, pour la pièce de Mike Lee, j'ai fait un gros travail corporel pour Angela dans sa... Et d'ailleurs, elle le sait pas, parce que je l'ai invitée, je lui aurais dit, je me suis énormément inspirée d'Ariel. Parce qu'Ariel, elle marche avec des talons. Ouais, ouais.
des compensées comme ça, puis elle avance comme ça, elle ondule un petit peu, mais c'est très délicat, très petit, et j'ai essayé de... Et ça m'a vachement aidé pour le rôle d'Angela. Mais du mimétisme, du coup, t'as travaillé un peu. Ouais, un petit de ce que je me souvenais d'elle, après, évidemment, avec du moi, mais voilà, et ça m'a beaucoup aidé, et puis même... comme ce personnage était très fragile, très sensible, toujours un peu à côté, pas très bien dans ses baskets, elle tombait un petit peu, elle était, voilà. Et ça, c'est vrai que je suis partie, j'ai eu du mal à trouver ce personnage, et c'est le corps qui m'a aidée à rencontrer cette fille. Vous, Alexis, comment vous avez fait pour atteindre l'état de transe dans un book ? C'est des couches et des couches et des couches. C'est déjà, tu te remplis d'un monde. Parce que ça se passe en 1912. Enfin, c'est un travail avec le metteur en scène, de discussion énormément, à la table d'abord. Puis au fur et à mesure, tu te remplis de ce monde-là, donc tu lis énormément. C'est ça que j'adore aussi quand tu commences un projet, c'est de se remplir d'un nouveau monde. Tu vois, là, c'était en 1912, dans les colonies, en Malaisie. Donc, j'ai lu plein de nouvelles, les quatre marins hollandais, tout ça, qui racontaient l'histoire de ces expatriés. Donc déjà, et puis après, c'est beaucoup de travail, de répétition. Hein, et puis, on a beaucoup travaillé avec le corps, avec le metteur en scène également, parce que tout ça, ça se structure. C'est un mec qui, au bout d'un... Tout ça doit être vertébré au début parce que c'est un jeune médecin tout en réussite, et puis petit à petit il passe 5 ans au fin fond de la jungle, donc il s'affaisse, puis à un moment ça devient une bête, quand la raison lâche et qu'il est pris par la passion, bah, ça devient un monstre, et du coup tout ça se transforme. Bon, c'est du travail, c'est de la répétition. Maintenant en fait on oublie le chemin, c'est vrai, hein, au bout d'un moment quand tu joues, le travail de répétition, c'est bon, il est digéré, et maintenant... là, j'en suis arrivé, je l'ai joué 300 fois en 2 ans et demi, donc c'est énorme. Et j'en suis arrivé, tu sais, dans une pièce, c'est comme un chenal sur la plage. Tu as des bouées pour que le bateau puisse rentrer. Bon, avec le metteur en scène, on a posé des bouées, mais après, toi, tu navigues comme tu veux. Et maintenant, le but, c'est de trouver sa liberté. Et on a oublié les répétitions, tout ça est digéré. Parce que ça peut être dur. Donc tu te laisses aller, quoi. C'est vrai. Oui, parce que il faut rapidement créer des connexions avec son personnage quand on décide en 3 mois tout seul de monter un tel projet. Oui, bien sûr, mais ça c'est notre boulot, c'est notre popote, c'est le potager. Tu te sers de oh là là, je saurais même plus te dire. Mais oui, ça a été un travail dur. Et au bout d'un moment, même moi, quand j'ai joué là, que j'avais qu'une date de relâche tous les jours, il y a un moment, j'étais dans un tel état de fatigue en fait que je savais plus si mon cerveau. Je savais plus si c'était moi qui pensais ou si c'était le personnage qui pensait ou si c'était. Il y a un moment, je déconnectais avec les gens me parlaient, je savais plus. Ça allait trop vite, c'était la fatigue, ça, je pense. Mais ça. Il fallait prendre un peu de distance. Mais ça arrivait genre 3-4 jours, une semaine, on va dire. Et après. C'était reparti. Après, il faut se faire confiance. Le travail est là, le travail digéré, il faut se faire confiance. Et est-ce que cette aventure en solitaire, ça vous a donné une troupe? Bah, la prochaine, le maire, on est 12. Donc, oui. Puis il y a des envies aussi de tout seul. Puis il y a des envies. Mais ouais, mais faut moi, comme je pense à vous, toi aussi, avec ta compagnie, t'as créé ta compagnie et tout, on marche à l'instinct. Moi, je marche à l'envie. Si d'un coup, j'ai envie d'aller dans. Je marche au coup de cœur. Là, on me propose le maire, j'ai adoré, j'ai dit oui. Puis on me propose des trucs, j'aime pas, bah, je dis non, j'ai pas envie de m'emmerder avec des trucs que j'ai pas envie de faire. Et puis s'il y a rien qui me plaît, bah, j'irai servir des cafés et puis c'est tout, quoi. Mais maintenant, le luxe, oui, c'est de pouvoir se dire je fais ce que j'aime. Et je fais, et j'ai envie d'aller là où il y a du désir, où il y a de l'envie, où ça goûte. Voilà. Lionel, vous avez créé en 2012 donc le Monstrum Théâtre à Mulhouse avec Louis Arène, qui est un ancien pensionnaire de la Comédie Française. Vous avez un univers puissant et très singulier, notamment à travers un travail autour du masque. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, ça a été un travail que j'ai rencontré vraiment au Conservatoire National. C'est là où j'ai compris en fait qu'on c'est pas nous qui allons tout réinventer, mais qu'il y avait déjà une histoire aussi derrière, et que nous, avec nos questionnements, et tout, c'est nous qui allons peut-être continuer un peu cette histoire, enfin sans prétention, mais de dire que voilà, peut-être que là, cette question du masque qui est tellement décriée, ou en tout cas qui est souvent assimilée à quelque chose de très poussiéreux, comme la Commedia dell'arte et tout ça, parce qu'on a les images très fortes quand on dit masque, et on essaye aujourd'hui de plus trop en parler, parce que souvent les directeurs de salle ou les programmateurs font du masque. Et c'est vrai que nous, on a tellement flashé sur ce truc-là, c'était notre raison d'être
pédagogiquement, ça a été pour moi une rencontre incroyable. Donc, et après, j'ai eu la chance, après le conservatoire tout de suite, de rencontrer Omar Porras, qui était pour moi à l'époque, enfin, il y a 10 ans maintenant, il était le spécialiste de ça, en tout cas de ce qui se faisait aujourd'hui, qui a travaillé aussi avec Ari Mouchkine, Grotowski et tout ça. Je dis oui, il y a une lignée, et comment on continue, nous, à réinterroger cette chose-là? Alors, il y a eu deux raisons pour lesquelles donc, j'ai créé cette compagnie. Pour continuer effectivement ce travail qui m'avait tellement séduit, où je me suis dit là, il faut qu'on continue dans la matière, mais plus moderne, qu'on questionne cette chose-là qui est ancestrale, qui est même préhistorique, je dirais, les premiers masques. Enfin, c'est super quand on commence à se poser la question du rituel, de pourquoi on faisait ça, en rapport avec les dieux, enfin, pour en parler des heures, là, je sais pas ce que c'est mon truc, donc... Mais déjà de me dire pourquoi c'est encore là aujourd'hui, pourquoi ça me touche tellement, c'est que je suis pas un ringard, donc il y a quelque chose quand même, je suis en 2018, mais il y a forcément quelque chose qui parle. Et les gens, ça les questionne beaucoup, surtout comme tu dis, tu enlèves le masque d'un coup, tu dis, tu vois un jeune homme et tout ça, alors que j'ai joué un vieillard. Parce que c'est comme une seconde peau. Oui, il y a une seconde peau. On a trouvé une matière médicale qui a la couleur aussi de la peau, donc ça c'est super, par rapport déjà à l'effet visuel et que nous on appelle étrangement poétique, qui crée des fois vraiment un trouble. On ne sait plus si c'est vraiment nous ou pas. Donc matière médicale, c'est une prothèse, qui s'appelle le podiaflux, bref, qu'on peut chauffer à l'infini, qu'on peut remodeler donc, sur les masques qu'on a fait, sur les masques en terre, donc si on t'a mouillé ton visage, voilà. Donc ça c'est déjà, donc on a des masques pleins là, que tu as vu cet été dans Le Chien, la nuit et le couteau de Mayenburg. Donc voilà, ça c'était la première raison déjà de continuer cet héritage aussi, de questionner. C'est tous ces gens-là, Mouchkine, tout ça, ils ont tous fait ce travail-là, c'est qu'il y a quelque chose. Le coq, voilà. Et la deuxième raison, c'est aussi une question aussi d'envie, d'engagement, de me dire, voilà, si je ne suis pas désiré, si on ne m'appelle pas, moi j'attends pas que le boulot arrive. Je crée ma propre entreprise avec des gens que j'aime, avec des gens qui ont envie, un vrai laboratoire surtout, quoi, de recherche. Donc là, depuis quelques temps, donc on est artiste associé à la scène nationale de Mulhouse, et c'est avec eux qu'on fait tous les projets. Donc c'est aussi une assise pour moi, une reconnaissance de là-bas, et je reviens vers finalement les gens, ça c'est important. C'est arrivé sans que je le vraiment... Enfin voilà, c'est arrivé comme ça, c'est la vie qui a décidé que cette compagnie devait naître. Comment ça ? Le Moonstrom Théâtre. Alexis, vous êtes plus un électron libre. Alors vous travaillez parfois avec les mêmes comédiens, je pense à Maxime Daboville ou des metteurs en scène comme Thierry Harcourt, mais vous tenez à votre liberté quand même. Après je veux dire à Lionel si t'as pas une comédienne pour me voilà mais si bien sûr, mais après c'est ce que tu dis, c'est la vie tout d'un coup qui décide les rencontres. Moi je suis vachement admirative et c'est vrai que là cette année je travaille moins les prochains projets et c'est vrai que les gens très souvent disent mais monte tes projets, fais des trucs. Je trouve que d'abord, il faut savoir le faire, mais on ne sait pas forcément le faire, il faut être entouré, il faut sortir peut-être de structures aussi, d'écoles comme ça, nationales, ou en tout cas où on a un vrai réseau de gens de sa génération qui ont le même désir et tout, parce que c'est pas si évident. Après, Thierry, c'est parce qu'il m'aime beaucoup et que voilà, et donc on a fait deux projets à la suite. Maxime, on a travaillé deux fois aussi ensemble. Et c'était des hasards, mais moi je suis curieuse de tout, quoi, du subventionné, je trouve que dans le théâtre privé il y a aussi des choses formidables, des auteurs vachement talentueux aujourd'hui, oui je suis en électron, mais je vais aussi où on m'appelle et après je fais des choix, je censure rien. Oui. Je parlais donc de Maxime Daboville. En 2015, il y a eu un Molière du comédien du théâtre privé donc pour The Servant, ouais. De Robin Maugham, où la mise en scène était faite par Thierry Harcourt. Et vous étiez à ses côtés dans ce spectacle, ouais. Qui a aussi reçu le prix Bon Marché du public et le prix Laurent Tardif de la critique. Ouais. Est-ce que ça a amené des retombées? Est-ce que ça a changé quelque chose dans les opportunités? C'est très compliqué. Alors encore une fois, c'est un spectacle qu'on l'a joué sur 2 ans, on l'a joué 350 fois, ça a été énorme, on l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup joué, on l'a joué au Poche, après on l'a joué au Tournée, on l'a rejoué au Poche, après on l'a joué au Studio des Champs-Élysées pendant 3 mois. C'était formidable, mais ce métier est assez absurde, et je pense que, là je parle pour Maxime, mais je le vois régulièrement, c'est un ami, il a eu le Molière, le meilleur acteur, à 33 ans, il avait des monstres en face de lui, c'est un acteur qui continue et qui joue, mais même pour lui, par exemple le cinéma, il ne l'a pas du tout ouvert les portes. Il n'a pas passé de casting, beaucoup de casting l'année dernière et l'année d'avant grâce au Molière. Il bosse, Maxime, là, il était avec les jumeaux un Golden Globe l'année prochaine. Mais je veux dire, c'est pas non plus... c'est étrange, quoi, comme tout d'un coup, c'est pas parce qu'on fait partie d'un succès. Alors, moi, je pense que le rôle, c'est injuste aussi ce métier parfois, le rôle
parce que c'est deux pièces de Thierry Hercourt, mais dans une parmi. Le rôle d'Angela, mais a été vachement plus porteur pour moi, enrichissante. Et les gens m'ont beaucoup plus vu que dans le rôle de Sally Grant, qui était un rôle, et c'est une pièce que j'ai adorée parce que c'est une troupe, c'est des gens, des acteurs, Adrien Melin, Maxime Labovier, la petite Roxane Brett, c'est dans toute ma vie que je continue à voir et que j'aime profondément. Donc pour ça, je chéris ce projet. Après, c'était un rôle joli. Mais c'était un rôle d'une jeune femme qui était amoureuse, qui était très jolie, très distinguée, qui parlait bien, qui portait bien. C'était pas pour une comédienne. J'avais pas une... Je pouvais pas explorer et aller à fond. Je crois que j'avais une palette, j'ai une palette de jeux qui est un peu sans pouvoir non plus, voilà, mais qui est plus intéressante que ce que je faisais. Alors après, j'ai tiré le rôle vers un truc très sensible. Et puis je me suis dit, c'est finalement, qu'est-ce que je peux faire de cette femme qui subit beaucoup? Bah non, elle décide à la fin de le quitter, de le laisser dans sa merde avec ce majordome qui va prendre le dessus sur lui et de ne pas assister à la déchéance de l'homme qu'elle aime et de partir. Alors je me suis dit, voilà, c'est comme ça que je rends fort ce personnage. Je ne la rends pas aliénée, juste une femme de... Mais c'était... Voilà, donc si, ça, il y a beaucoup de gens qui m'ont vue et c'était chouette. Et puis tous les gens qui disaient, elle travaille avec son père, beaucoup de tout d'un coup, voilà, j'étais ailleurs et dans un autre univers. De, voilà. Donc c'était formidable, mais ça ne m'a pas apporté... Il faut se battre, quoi, tout le temps. Mais tout le temps. Ah ouais. Et je crois que c'est aussi pour ça que ça nous plaît, parce que rien n'est acquis, donc ouais. On a la force de ça, je pense aussi. Quoi. Il y a des moments c'est difficile, ah, c'est vrai. Ah, c'est dur. Mais voilà, il y a des moments aussi on arrête de dire que c'est difficile, parce que c'est vrai que c'est un mot qui peut nous tirer vers le bas. Ouais. Et que c'est aussi notre sève, quoi. C'est ça qui nous tire vers l'avant. On ne sait pas quoi fait demain. Il y a cette intermittence aussi qui est là, et heureusement qu'elle est là, c'est vrai. Ouais. Mais quand même, c'est quelque chose qu'on doit, on n'est jamais en fait en sécurité quelque part. Mmh. Même si ça nous assure quelques mois, mais c'est un métier complètement fou pour ça, ouais, c'est vrai. Quand on peut cocher la nulle part cette case de « et vous faites quoi ?» Alors tu regardes chaque fois les banques dans la société normale, entre guillemets. Ouais, tu n'appartiens à aucune case, et c'est vrai que tu le ressens bien. Enfin, et en même temps, et c'est un vrai métier en même temps. Je veux dire, aujourd'hui, non, moi, j'aimerais bien avoir mes dimanches, je me dire « là, je fais rien ». Oui. Mais c'est un métier, comme tu dis, où tu plonges, t'es happé, c'est écarnel, quoi. Tu vis avec le même temps. Tu sais pas de quoi demain est fait, même si tu as des certitudes sur ton travail, sur ton envie. Et le doute, faut, plutôt que de se laisser bouffer par lui, sans faire un ennemi, faut s'en faire un allié. Mmh. Faut apprendre à vivre avec, parce que tu seras toujours avec les plus grands. Pour en revenir à Gabin, à Ventura, à Blier, tous ces mecs-là, ils avaient Ventura à la fin de sa carrière, mais même mon grand-père à la fin de sa carrière, il pensait qu'on n'allait plus jamais l'appeler, que c'était terminé, que c'était son dernier film. Donc même les plus grands, les mecs, tu seras toujours rongé par ce truc-là. Mais plutôt que de se laisser pourrir, il faut essayer d'en faire une force. Donc évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, on est d'accord. L'acteur, on est notre propre matière. L'acteur est sa propre matière, on travaille avec ce qu'on a, avec ce qu'on est. Donc il y a un moment où si tu te perds trop, tu es ce que tu renvoies. Et c'est important d'aller se renourrir, se ressourcer ailleurs. C'est pour ça que c'est important d'avoir des passions, quelles qu'elles soient. Soit le voyage, c'est la gastronomie, j'adore cuisiner... Quand je cuisine, tiens, comme Depardieu, j'adore ce qu'il dit. Il dit quand je commence à éplucher, quand tu commences à cuisiner un plat, tu commences à éplucher. Et il dit en même temps que tu épluches tes légumes, tes carottes et tes oignons, tu épluches ton âme. Il a raison. D'un coup, tu penses à autre chose. Mais moi, j'adore ça. Bah, moi aussi, si tu veux, on peut monter un restaurant. Ça marche pendant quelques années. J'adore ça. Tu montes un resto. J'adore voyager. En tout cas, c'est important que ce soit dans la littérature, dans ce que vous voulez, de pouvoir se ressourcer ailleurs. Quoi. Est-ce que justement, vous qui en 2016 avez eu un Molière. Allez, encore, oui. Évidemment. Les Molières. Obligé d'en parler. Oui, mais c'est commercial tout ça, les Molières, les récompenses, les trucs. Mais c'est vrai. C'est vrai, ni plus ni moins, ça a été inventé, les Molières, pour... Non, mais attends. Bon, mais c'est très agréable aussi. Évidemment. C'est formidable. Non, mais évidemment. Surtout, on parlait de légitimité. Moi, ça m'a enlevé un énorme poids sur les épaules. Tu sais très bien, quand tu t'appelles mon gorgé, machin et tout, moi, j'ai jamais avancé avec mon nom, quoi que ce soit. Je voulais pas être assimilé, mais les gens sont là pour te le rappeler à longueur de journée. Et je crée un spectacle, Amok, qui marche très bien. Je l'ai fait avec mes deniers, je l'ai produit, je l'ai adapté, je l'ai monté. Le premier truc que les journalistes appellent en me disant, ils me font « Ouais, je vais faire un article sur vous, le spectacle est formidable, j'ai adoré. On va mettre le petit-fils, on va titrer le petit-fils de Gabin. » Je dis « Attendez, ça fait 7 ans que je bosse dans des cafés, que je me pète le cul à pas pouvoir faire mon chemin comme les autres, et vous me le ramenez là ?» Je dis « Alors non, vous pouvez en parler, parce que je le nie pas, évidemment. » Je le nie pas, c'est magnifique, je suis très fier de... voilà. Mais c'est pas lui qui m'a mis... voilà. Donc là, on va parler de Zweig avant tout, et on va parler de tout ça. Et le Molière, évidemment, ça m'a permis de me sentir légitime, et ça m'a fait du bien, parce que ça... Mais après, c'est des choses économiques, tout ça.
C'était Robert Hirsch, quand il reçoit le Molière, il dit « Mais quel est l'imbécile d'acteur qui croit qu'il est le meilleur acteur de l'année ?» Évidemment, non, personne, tu peux pas avancer comme ça. Donc, Mais si ça peut ouvrir des portes après dans le système qu'on a créé. Ouais, alors, clairement, oui. C'est-à-dire que un an avant le Molière, personne ne me connaissait et machin. Maintenant, tu connais tous les directeurs de théâtre de Paris. Quand tu as un projet à présenter, on s'est quitté, on t'écoute. Donc ça, c'est génial. Tant mieux. Tant mieux. Et encore, c'est un réseau, parce que les Molières, c'est un réseau. Voilà, on parle de subventionner, le privé, on est encore comme ça en France, quand on a ces deux mondes. Mais ça, c'est terrible. Voilà, donc c'est vrai que c'est terrible. On est cloisonné par des trucs, subventionnés, mais j'ai envie de dire, c'est affreux, mais c'est encore vrai, quoi. Oui. C'est encore vrai. Et moi, j'ai tourné dans un. Bon, moi, j'ai des amis qui viennent beaucoup du subventionné et tout, parfois j'ai l'impression d'être un plouc. Ah, oui. Ils sont pas venus me voir jouer. Comme nous, on a l'impression d'être les pauvres, tu sais. Tu as subventionné aussi, même si des fois ils nous disent c'est les intellos, je sais pas, ça peut être ça aussi. Mais oui, c'est chiant. Oui, oui. Mais en même temps, il y a un théâtre privé où tu gagnes de la thune, tu sais, puis subventionné, vous avez vraiment. Théâtre de recherche, on va se faire chier. Non, oui. Oui, c'est pour ça que c'est important qu'on fasse des ponts et qu'on aille voir. Ah bah, je suis bien d'accord. Un peu tout. Parce qu'aujourd'hui, on fait du théâtre et basta, quoi. L'important, c'est toucher les gens. Et si les gens sont touchés et heureux, tant mieux. Bien d'accord. Il y a des lieux quand même de plus en plus. Ouais, tant mieux. La Saint-Martin et tout ça, ouais. Ça commence à. Oui, alors, c'est dans un sens. Non, parce qu'il y a Pamora qui vient chez lui. Non, mais tu vois. Oui, non, mais c'est dans un sens. C'est un lieu. Je trouve ça génial, mais c'est un lieu privé qui reçoit des compagnies subventionnées. Ou des spectacles qui l'ont été, en tout cas. Ouais. Mais dans l'autre sens, moi j'aimerais. C'est vrai. C'est, si t'as pas le réseau. Parce que s'il n'appartient pas à un certain réseau, c'est beaucoup plus compliqué de faire exister ton projet dans un. Ça part en débat tout de suite, hein, c'est sulfureux, on le sent. Hein. Mais. C'est dommage. Ça va dans un sens. Et là, ce qui est terrible, c'est que c'est. Puisqu'on parle de génération, on est des jeunes acteurs, c'est pour ça qu'on est là aussi, pour en parler. On appartient à la génération, on est fils de notre génération. Donc il y a des problèmes économiques qui se posent. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus, on parlait du Festival d'Avignon tout à l'heure, il y a de plus en plus de compagnies qui étaient subventionnées, qui sont obligées d'intégrer le festival off, privé, parce qu'il y a de moins en moins de subventions, aujourd'hui en France. Mais dans les spectacles qu'on tourne, on le voit, moi je tourne dans des villes. Toutes les villes, ce qui est alloué à la culture, les subventions qui sont allouées à la culture sont de plus en plus coupées. Donc les mecs n'ont plus les moyens de faire vivre leur salle, d'intéresser les gens, de faire vivre leur commune et d'acheter des spectacles. Donc tous les prix sont rabaissés. Donc c'est de plus en plus compliqué après de faire de l'argent et de monter d'autres spectacles. C'est la galère pour tout le monde, que ce soit subventionné ou privé. C'est la galère pour tout le monde. Et on y arrive, le fric. Mais oui, parce que c'est le nerf de la guerre. Et non, et la politique surtout, c'est-à-dire et la politique. Moi j'ai compris à quel point effectivement notre métier était complètement relié à la politique. Enfin, t'as beau dire, tu fais de la poésie, d'engager, je recherche sur le masque et tout ça. Ouais, enfin, il y a la drague qui dit, bon les gars, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La ville aussi qui dit, bon, moi je sais pas si l'été à l'année prochaine j'ai encore une programmation. Bah ouais, le maire il voudrait faire un lieu d'événementiel parce qu'on va, ouais, ça rapporte quand même plus d'argent. Ou alors, je sais pas, des années à entretenir une relation avec un directeur, enfin, tout ce que t'as. Puis d'un coup, il est muté ailleurs, ou alors c'est. Parce que c'est. Fini, politiquement, enfin. C'est un voilà. Autre parti qui a été oui, élu. Il y a un autre parti qui est arrivé, et tu te dis, oh putain, ce travail qu'on a fait pendant des années. Enfin voilà, c'est que ça. À Avignon. Ça, c'est vraiment pas le métier que j'avais choisi, mais je vois à quel point c'est hyper important. Là, par exemple, on est artiste associé donc à la Filature de Mulhouse. On prend un rendez-vous, c'est avec l'agent à la culture. Et c'est avec lui qu'effectivement, on va. C'est du business, effectivement, ou comment ça va. Mais il faut l'accepter aussi, c'est le jeu. Mais voilà, il faut le faire intelligemment et puis que ça nous coûte pas. Parce que souvent on se dit, ah non, mais moi je suis acteur, je monte sur scène et puis merde, c'est pas mon boulot d'aller chercher de la thune et tout ça. Et en fait, c'est là aussi où j'ai perdu du temps au conservatoire. Quand j'ai fini avec Miss Guiche, moi j'étais rentré sur Claude Strass qui est mort dans l'année. J'avais choisi complètement une autre pédagogie, une autre école. Où Claude est mort dans l'année. Bon, il y a eu Joël Joanneau qui a repris le flambeau. Et puis enfin, Daniel Miss Guiche la troisième année. Donc j'ai vraiment une trois années un peu hybrides. Mais voilà, et Daniel qui est à l'opposé de Claude, qui nous a fait des acteurs stars en disant « Oui, de toute façon, ceux qui ont du talent, ils réussiront, les autres, de toute façon, ben voilà, il y a la place que pour ceux qui cartonnent. » On n'est plus dans cette génération-là. Aujourd'hui, on va bien, on est dans des générations de collectifs, des gens qui essayent de faire des choses ensemble, parce que c'est plus Jean Gabin, on n'est plus à cette... Même lui, il avait peur. Enfin, donc, il était nostalgique d'une époque où Jean-Paul Belmondo était au conservatoire, où tout le monde venait, l'école était pleine à craquer. Et aujourd'hui, non, on est 10, on se pose des questions, on va chercher partout. On a plusieurs compagnies aussi. Omar Porras, quand je suis arrivé, je lui ai dit, maintenant, Il m'a proposé son prochain projet, j'ai dit, maintenant, je refusais 200 dates de nouveau, enfin, un gros projet, et il ne comprenait pas. Il m'a dit, vous pouvez pas, c'est impossible, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et parce que c'est une génération où on suivait un maître à un moment donné, sauf qu'aujourd'hui, on ne peut plus.
Je sais pas, on peut pas. Moi, je vois bien, on a envie d'être partout aussi, c'est vrai, on a envie de goûter, il y a tellement de choses à explorer. Et moi, je pourrais pas être avec la même personne comme ils sont encore en Russie. Il y a encore des grands maîtres, des troupes entières qui suivent pendant des années, 10 ans, 20 ans, la même. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que notre génération répond plus à ça. On n'est plus dans une école des maîtres et tout ça. Je vois plus ça. On va chercher un peu partout. Mm. Comme nous, on s'improvise, c'est comme on a envie d'écrire, à la vidéo. Tellement de choses qu'on a envie de faire. Oui, parce que vous, métier, tous les trois, vous avez fait du cinéma. Mm. Comment est-ce que vous, justement, comment est-ce que vous appréhendez ce rapport au cinéma par rapport au théâtre? Ouais, moi, j'ai choisi ce métier-là à la base parce que j'étais fan, j'étais cinéphile, j'étais fan de cinéma. Donc, je voulais à la base faire du cinéma. Quand tu arrives à Paris, le but du jeu, c'est de trouver un agent. T'es fou. Tout le monde veut un agent, t'en trouves un, le mec était au placard, tu comprends pas pourquoi je tourne pas, pourquoi je passe pas de casting. Bon, on m'a dit des trucs, mon agent m'avait dit t'es trop vert, la mode c'est perniné, t'es pas du tout à la mode. Je dis ah bon, d'accord, ok. Mais en fait, il y a un truc à comprendre pour l'image, c'est l'emploi, c'est que les mecs, je pense, deviennent plus intéressants à partir de 30 ans. Yes. Ouais, mais c'est vrai. Parce que le cinéma, l'image, c'est. Faut que tu deviens, à 30 ans en tant que garçon, plus en adéquation avec ta personnalité et ce que tu dégages. Et les femmes. Les femmes, c'est dur les femmes, c'est très difficile. Moi je respecte à fond les femmes dans ce métier-là parce qu'il y a plus de femmes qui font le métier et il y a moins de rôles pour elles, que ce soit dans le théâtre ou dans le cinéma. Mm-hmm. Et en général, dans le cinéma, mais tiens, parlons de génération, t'as vu que les nanas maintenant à Hollywood, elles ont produit, elles produisent leurs séries, elles se elles mettent font en place. Mais c'est génial, mais il faut faire ça. Autant essayer de faire ses projets. Aussi, d'écrire, de se mettre avec des boîtes de prod, des jeunes boîtes de prod, et essayer de monter ses projets, tu vois. Il faut faire les choses. Il faut faire avec temps, sinon on ne vient pas te servir le truc tout chaud. À 30 ans, on a peut-être plus de confiance, mais on joue toujours cet endroit de doute dont tu parles. C'est-à-dire que quand tu n'es pas pris, tu sais exactement que ce n'est pas toi, parce qu'ils cherchent une famille, ils cherchent un profil. Ouais. Mais forcément, à un moment donné, il y a des endroits où, en tant qu'acteur, ouais, donc tu te dis ah, putain, c'est pas possible, pourquoi j'ai encore raté? Ça fait 10 castings, 20 castings. Ouais, tu loupes, et donc tu te dis mais tu n'es pas fait pour ça, tu comprends pas. Et même si tu dis bon allez c'est pas grave, c'est pas moi qui ai en jeu là-dedans, mais ça c'est aussi une gestion tous les jours de dire bon allez continue, c'est un travail, mais ça joue aussi sur qui tu es, quoi, sur la confiance que t'as, sur des fois tu te dis putain en fait vraiment j'ai rien à faire là-dedans, alors que c'est ton rêve aussi. Moi j'aimerais bien faire plus d'images. C'est pourquoi aussi j'ai décidé de faire plus de théâtre, parce que là je le décide quelque part, le théâtre je le décide, le cinéma on le décide pas. Sauf si on est voilà effectivement très vite propulsé, Pierre Ninet, enfin tous ces gens-là, voilà, qui ont eu plus de... Enfin, Gaspard Ulliel, tous ces gens avec qui on est toujours sur les castings. Salut, Gaspard. Voilà, c'est que ça va cliquer. On y est quand même. Mais puis un truc de moins humain au cinéma aussi. Quand une pièce de théâtre, ça se monte, il y a d'abord du travail, des lectures, il y a un espèce de truc comme ça. On pourrait tout d'un coup lire une pièce, là, tous ensemble. Et puis le cinéma, t'arrives dans une salle, tu connais pas le directeur de casting, il faut être bon en 4 minutes 50, et puis après, machin, il y a quelque chose... Qui, moi en tout cas, m'angoisse et me terrorise et me commence si ça va mieux, mais pendant très longtemps. Oui, oui. Je trouve qu'il y a un aspect comme ça, mais qui, encore une fois, on parle de l'argent, mais c'est ça. Mmh. C'est parce que ça va très très vite. C'est parce qu'aujourd'hui, et je le répète, et c'est vrai, les castings c'est difficile, on en rate, il faut putain prendre sur soi à chaque fois, dire mais non, c'est pas parce que j'étais pas bonne, c'est parce que finalement l'actrice qui va jouer ma mère, elle est brune et elle pèse 92 kilos et que je peux pas être sa fille et que machin et que le truc est bidule. Mais c'est aussi parce que les directeurs de casting, ils ne connaissent pas forcément, parce que les productions, ça va à 250 à l'heure, que les budgets, c'est compliqué, et que les mecs, ils connaissent 100 acteurs, ils connaissent 40 filles blondes, 30 mecs comme toi, 25 mecs comme toi, et que s'ils ne connaissent pas Lionel ou Alexis, ils n'ont pas forcément avoir le temps d'aller chercher, même si l'agent va dire « mais non, il est super, je te jure », c'est compliqué. Enfin, au théâtre, il y a une relation... Voilà, enfin moi c'est des réseaux qu'on connaît un petit peu plus, mais je trouve que le cinéma, voilà. Après, bah, c'est encore plus, le théâtre c'est réseau aussi quand même. Mais... Oui, mais enfin moi je... Mais c'est plus artisanal, c'est plus on est artisanal, d'accord, bien sûr, voilà. Heureusement. Le cinéma, il y a un truc, puis c'est un autre objet, la caméra et tout ça, il faut... c'est un autre, quand même, un autre métier. Enfin, c'est un autre métier. C'est vrai que t'as des rêves, moi j'étais de petit garçon, enfin, c'est vraiment, j'ai mis longtemps à me l'avouer vraiment, j'avais vraiment ces petits rêves d'enfant, ouais, de cinéma. D'être à l'écran, parce que je vois effectivement le pouvoir que ça a le cinéma. Mais aujourd'hui, je dis bon, allez, mais les choses que j'ai faites au cinéma, j'en suis très très fier. Mais je vois qu'il y a toujours forcément un engagement. Je pourrais pas partir sur quelque chose qui aussi n'a pas de sens pour moi aujourd'hui en réalité. Tourner pour tourner, ça n'a pas de sens, parce que aussi, voilà, j'ai l'âge que j'ai et que je vois bien à quel point ça a du pouvoir et quelle parole en fait je porte, même derrière devant l'écran. Donc aujourd'hui, ouais, j'adorerais rencontrer un réalisateur et dire on va parler de ce sujet. Là, je fonce. Quels sont vos prochains futurs projets à tous les trois? Alors,
ça n'est pas grand-chose. Mais l'année prochaine, je travaille avec. Voilà, je travaille avec mon père. Il y a très longtemps, j'avais fait, mais pas avec Jean-Michel, avec un metteur en scène qui est mort d'ailleurs l'année dernière. On avait fait un projet autour de Roland Topor, avec Reinhard Wagner, qui avait beaucoup, qui est un compositeur, qui était un grand pote de Topor et qui composait ses musiques. Et sa fille Eloïse, qui est de extraordinaire, ouais. Magnifique. Et sa fille est une de mes meilleures amies, et c'est une super actrice, Eloïse aussi. Et là, on assume complètement le côté Rib, Wagner, père, fille. Et avec un jeune acteur, on va voir le casting l'année prochaine. Ah. Voilà. Et c'est autour de textes, mais là, je crois, de Jean-Michel aussi, et de Roland Topor, sur la, voilà, et de chant, beaucoup. Et Reinhard sera sur scène. Et après, j'ai un projet au Théâtre La Bruyère, d'une pièce de Sébastien Blanc, qui est écrit avec un fils de Poiret, d'ailleurs, voilà, et qui est mise en scène par Anne Bouvier, avec Annie Grégorio et Bruno Kremer. Voilà. Et après, j'ai d'autres projets, mais dont un, là, que j'ai envie de le porter très fort sur l'homosexualité, un truc que j'adore, une pièce que j'adore, avec deux jeunes comédiens, avec Gaël Giraudot et Félix Popper. Hein. J'espère que ça se montrera. Ouais. Et ici là, je suis en tournée jusqu'en juillet avec Amok. Je tourne un court-métrage en 2 semaines avec un ami avec lequel je développe un sujet de long-métrage également. Et puis l'année prochaine, bah, le maire. Et puis, d'autres trucs qui sont en construction. Voilà, ça va en parler. Lionel ? Alors oui, moi aussi je suis en tournée en ce moment donc avec Rodolphe Dana et possédé avec Price jusqu'en mai. Je suis en tournée aussi depuis l'aube, donc Ode au clitoris avec Pauline Riba. Et en tournée aussi donc avec Le Chien, tout ça c'est la récolte d'Avignon aussi là. Oui. Et puis je suis donc sur les 2 prochaines créations de Pauline et de ma compagnie, donc on va monter un diptyque de copies l'année prochaine. Voilà, l'homosexuel, la difficulté de s'exprimer et les 4 jumelles, on fera un diptyque qui s'appellera 40 degrés sous zéro. Et puis Pauline qui réécrit son nouveau texte sur aussi rapport avec les hommes, les femmes, toujours son questionnement, ça s'appellera Entrailles. Voilà. D'accord. Et puis donc en tournée avec tous ces... Voilà. Ouais, ça va. Et puis surtout des projets, c'est con, mais c'est important de le dire parce que c'est on parlait de la politique tout à l'heure, et c'est vrai que quand on a une compagnie, il y a vraiment presque moitié dans la création. Bon, c'est un spectacle par an, voire deux, enfin on en fait un tous les 2 ans, 3 ans, c'est long quoi, avec les subventions, les prods. Mais à côté de ça, il y a un travail pédagogique. Moi je suis sur le terrain en Alsace, mais comme un fou, je pensais pas que c'est l'émission aujourd'hui de l'État. Alors c'est beau aussi de rencontrer les jeunes, c'est vrai, les collégiens, les lycéens, faire des pratiques amateurs, des workshops, mais moi ça me prend un temps vraiment faramineux. Donc je commence à envoyer les gens de la compagnie, mais c'est pour dire que c'est il y a pas que le bling bling tout ça. Je trouve ça que j'ai tourné une super série américaine, c'est super d'un coup. C'est vrai que c'est un vrai cadeau, mais d'un coup t'es avec les enfants au fin fond de l'Alsace, et voilà, c'est ça qui est beau dans ce métier. Mais ça, créer une compagnie, il y a aussi il y a l'administratif et il y a la pédagogie qui est très très importante. Donc ça, je passe beaucoup de temps à faire ça. Merci beaucoup à tous les 3. Merci. Est-ce que vous avez des petites questions? Ah, il y a un échange. Donc, ils sont encore là. Moi, j'ai pas une question, j'ai une réflexion sur ce que tu as dit sur le masque. Et comme tu as dit que c'était aujourd'hui pas une forme qui était perdue, mais je veux dire, c'est un sujet, tu te demandes aujourd'hui qu'est-ce qui est actuel dans ce sujet-là. Et je me dis qu'en fait, le masque d'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. C'est pas ta vraie vie. T'as que tes meilleurs moments, tes meilleures gueules, ton meilleur filtre et tout. Et finalement, c'est un masque que tu montres aux autres, et c'est pas vraiment toi. Et voilà, je voulais savoir ce que t'en pensais. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça ou voilà. Après, c'est plus d'une volonté pour nous, parce qu'on est quand même encore dans la matière concrète. Ouais. On veut vraiment travailler cette matière qui, au contact de la matière, ton corps se transforme aussi. Il y a quelque chose de ça. Hein. Quand je parle de l'ancestral, la peau de bête aussi qu'on mettait, ou ce cuir, hein, finalement, qui est resté chez la Comédia dell'Arte. Mais après, oui, le contemporain, c'est là où on va vers des auteurs contemporains. Mayenburg avec du masque, les gens disent... Ah. Voilà, donc c'est notre manière d'interroger le contemporain. Mais oui, c'est une réflexion qui est très juste... Même l'écran, l'interface, voilà, qui nous protège aussi du monde, qui crée, c'est très juste. Ouais. Est-ce que l'un de vous est tenté par l'écriture de sa propre partition à jouer, vraiment construire tout le processus de création de A à Z? Moi, ça me panique, complètement. Et c'est drôle parce que, comme là, cette année, je suis pas au théâtre et tout ça, on vous dit, mais fais des trucs, machin, écris. Alors, écrire, c'est compliqué, j'écris des belles lettres, mais je sais pas si je suis capable d'écrire une pièce de théâtre, voilà.
Et tout d'un coup, j'ai une Justine Edman, d'ailleurs, qui m'a dit... elle m'a accompagnée un petit peu. Alors, je ne vais pas le faire, mais enfin, je ne suis pas... En tout cas, elle m'a dit, mais non, mais tu vois, il y a des textes, il y a ça, peut-être que tu peux penser à ça. Et puis moi, je t'aiderai à l'adapter, et puis machin. Et en fait, tout d'un coup, j'ai réalisé que bah, c'était... Si tu ne le fais pas forcément seul, mais si tu as deux, trois personnes qui vont... Voilà, en fait, il y a une pression qui s'enlève et peut-être que du coup, ça m'amènera. Mais je me suis dit, ah, là, c'est finalement une montagne, mais pas si grande que ça. Si... D'abord, il faut trouver le projet, mais après, il y a des gens quand même. Si on trouve les bonnes personnes qui... Et pourquoi pas un jour, ouais. Mais il faut trouver le texte. Il y a une phrase de Jean Rochefort, on lui dit, mais écrivez, vous êtes un homme de lettres, écrivez. Il fait, oui, oui, mais j'ai écrit et je me suis relu. Ouais. Donc, tu vois, c'est quand j'ai un sujet qui m'interpelle, j'achète tout, je lis tout autour du sujet. Je me nourris. Mais après, je considère que c'est vraiment un métier également. Et je connais des auteurs qui sont fantastiques. Et je rencontre des auteurs. Je fais des commandes. Ou pas forcément de commandes, mais s'il y a une rencontre avec un auteur et que ça se passe bien, et c'est ce qui s'est passé avec Pierre-Olivier Scotto, l'auteur d'une histoire française, qu'on va créer avec Xavier Lemaire, de ce spectacle sur la guerre d'Algérie, on s'est rencontrés. Et par exemple, moi j'avais l'envie de défendre le rôle que je vais jouer dans ce spectacle-là, c'est un mec qui va se faire broyer par la guerre. Et j'ai un pote qui était para et qui était pris dans la cuvette d'Ouzbine en Afghanistan, c'est un des seuls rescapés, un des rares. Et il m'a raconté, il est PTSD, donc il est syndrome du stress post-traumatique. Et un soir, il m'a raconté son histoire et ça m'a beaucoup ému. Et j'ai eu envie de raconter le sort de ces mecs-là. Et il se trouve que deux mois après, on me propose cette pièce-là. Et il y a quelques temps, je voulais raconter l'histoire d'un père et d'un fils. Et Pierre-Olivier Scotto me dit, en lecture, il me dit... j'ai écrit un monologue sur un père et un fils et j'aimerais bien te le proposer. Il y a des trucs qui tombent comme ça. Mais aussi, c'est parce qu'il y a des rencontres, parce que ça se fait au bon moment. Enfin, bon. Mais en tout cas, rencontrer des auteurs, et moi je suis très intéressé, je vais beaucoup au théâtre pour écouter les mots des auteurs. Et j'aime beaucoup rencontrer des auteurs et pouvoir leur parler, parce que c'est un métier qui est fascinant, c'est un vrai métier. Et comme l'a dit Alexis, on nous dit souvent, pourquoi t'écris pas et tout parce que c'est chaud, parce que moi, j'ai écrit 10 pages d'un truc, d'un personnage que j'ai envie de raconter, mais tu relis, tu fais... Bon, voilà, quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je crois qu'il faut provoquer les choses. Ouais, ouais. Et que moi, pendant très longtemps, j'avais peur, je me disais, je vais pas aller voir si j'aime bien un metteur en scène, puis il faut pas, puis machin. Et en fait, depuis peu, je prends mon courage à deux mains et j'y vais. Et c'est vrai que... Quand on dit, c'est vrai qu'il y a toujours des connasses actrices sur toutes les soirées mondaines, les trucs et les machins. Il ne faut pas le faire parce que c'est nul d'aller sans raison quelque part, juste choper un truc ou un machin. Mais en même temps, c'est vrai que d'aller à des projections, de faire des trucs, tu rencontres les gens qui font partie de ton métier, tu vois les gens, tu croises des metteurs en scène. Il n'y a pas longtemps, je n'ai pas eu le casting, mais ce n'est pas grave. Mais je veux dire, j'ai vu une grosse productrice de France Télévisions, je ne la connaissais pas, je me suis dit, j'y vais. Et j'ai été charmante et polie et rigolote. Et je me suis dit, bah voilà, et puis machin. Et le lendemain, j'avais un mail en me disant, envoie, il y a un casting la semaine prochaine. Et j'ai passé le casting. Il faut savoir faire les choses parce que ça, personne ne va venir nous chercher. Et les agents, ils rament comme ils peuvent, mais il faut y aller, quoi. Et à un moment donné, il faut y aller. Merci. Complètement. C'est vrai.